Salut tout le monde, c'est Vnecter et on se retrouve sur Watch Dogs. Donc ça a fait un petit moment pour moi, donc je sais pas trop si vous vous souvenez, mais il faut rejoindre Bad Boy. C'est le gars qui nous parle en mode Anonymous. Donc on va aller le rejoindre. Je vais ouvrir la map et on va lui dire un petit coucou. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai plus de contenu sur ma chaîne, plus de contenu. Et donc c'est la dèche. Donc je fais ça et en plus là en ce moment c'est en mode grosse chaleur de l'infini quoi. Et pour le coup ça fout le couac vu que dès que j'allume un peu mon ordi et que je commence à jouer ou à record un petit peu, il fait 35 degrés dans la chambre à peu près. Donc l'avantage ou désavantage d'un PC gamer, c'est que ça chauffe. L'hiver c'est bien, mais l'été c'est moins cool. Là, ce coup de clipping là des voitures qui apparaissent juste à côté de moi, c'est chiant. Mais j'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube et apparemment c'est le jeu qui veut comme ça. La render distance est pas plus élevée que ça, donc c'est plutôt ballot. Et donc voilà. Comme ça, j'ai eu le temps de me renseigner vite fait sur le jeu. J'ai pas regardé beaucoup de vidéos. Putain. Priorité, tu connais toi? Plus jamais. Ah, c'est peut-être un stop cette ligne. Ils ont des lignes bizarres les Américains. Je suis pirate. Donc la conduite, toujours avec ma manette de 3-6. Hein, parce que j'ai pas de respect. Ouais. Popo. YOLO! Parce que j'active ça moi comme un. Comme un gros salaud. Aussi, je crois qu'il y a un système de garage. Une fois qu'on est monté dans la voiture, on la débloque et on peut l'acheter. Un petit peu à la. À la Saints Row, si vous voyez. Si vous voyez pas, c'est tant pis pour vous. Hop, on va changer, on va prendre une moto à partir de là. Voilà. Wow! Oh le dérapage. Comment j'en chie un max pour déraper? Ah c'est A pour regarder derrière, d'accord. Moi qui cherchais la touche. Donc je crois qu'on s'était ouais on s'était laissé là dans le dernier épisode. Mais bon vu que j'ai éteint et il y a eu un méga freeze. Hop on re-switch. C'est parti Chicelle. Let's go. C'est quoi ça? Changer ta vie. Change ma vie. Il a souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. J'espère que tu parles dans ta tête parce qu'il peut tout entendre. Du coup, on va dans le métro. Je peux pas sprinter. D'accord. Ok. Bad Boy. Hein? Bad Boy, 17. Putain, c'est quoi ton problème? Il passait pour un gros psychopathe là. Bad Boy, 17. Clara. Clara. LOL. Le guac. Tu fais plus que 17 ans. Et je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment. Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute, j'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me ferai pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé, je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça.
Tu voulais les codes de piratage de DeadSec? T'as fait ça pour moi? Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Ouais. T'es pas la première à me faire ce genre de promesse. Montre-moi ta bite. Non, je rigole. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise, Aiden. Sûr, il va se la taper. C'est obligé. C'est obligé. Bon. Compétences obtenues. Tout à fait. J'obtiens des compétences. Piratage, on m'a dit. Faut que je me foute dans le pirate. Perturber les communications ennemies. Pof. Transformateur. Ah, c'est ça. Faire péter le truc, je crois. Ouais, j'avais déjà vu. C'était un peu pété. Il y a la batterie de, du téléphone qui serait pas mal, je pense. Ça, ça peut être pas mal, la quantité d'argent. Après, je sais pas trop. Canalisation de vapeur. What the fuck? C'est pas mal. Désactive les hélicoptères pendant... Ouh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je vais prendre l'hélico. Yes. Yes, j'ai pris l'hélico. Putain, il me reste encore 3 points de compétence. J'achète la batterie. Et j'ai plus rien. Ça dèche. Voilà. C'est bon, on a fait nos courses. Salut. Je parle à Bad Boy, là, ou à Clara? Oui, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton... Allez, on va prendre ça pour le lol. Malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CityOS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre. Dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. What? Quoi? Attention. Des rails. Atteindre. C'est où ça? C'est de l'autre côté de, du truc? Comment on fait pour zoomer? Objectif. Donc là, va fort ninja T. Et comment? Là, il y a lui. Est-ce qu'il y a moyen? Si je me planque ici. Est-ce que d'après vous, si je fonce devant... Si je fais ça... Tout à fait. Hop. Oui, il a rien vu. Le problème, c'est qu'il y a l'autre là-bas. Peut-être si je passe par la caméra là-bas. Il y a quoi? Il n'y a pas un truc à faire péter par hasard? Je leur foutre le guac. Oui. J'ai une caisse pleine de pénis de tigre à vendre. What? Rappelle-moi quand. Moi, quand t'auras quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. J'ai aussi de la corne de rhinocéros.
Tu vois quand tu veux. Oh, phase. Bête de phase. Bim! Bon. Enfin bref. Headshot, headshot. Allez! Les protections en mode normal. Il me voit pas, il me voit pas. Alors, est-ce que si je lui tire dans la tête, ça marche? Pff, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ni vu ni connu! Sniper! Sniper! Putain, mais en fait, j'adore trop la discrétion, faut tuer tout le monde. Pff, easy peasy. Hein. Je suis sûr qu'il y avait un moyen de la faire discretos. Et j'ai du drop de FPS, je suis à 30 FPS, je sais pas pourquoi. Ok. Sinon, t'as quoi comme arme? Oh, je prends. Oh, yeah! C'est, ça s'appelle comment ça? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Reviens en haut, reviens en haut. Prends ça. Voilà. C'est pas trop mal. Ici, je peux pas prendre des trucs sur lui, non. C'est nickel. C'est pas mal tout ça. Max. Max quoi. Au fait, est-ce que je peux me faire des... Je me fais quelques brouilleurs. Faire exploser. Ah ouais, y a pas... Je suis sûr qu'il y a plein de solutions pour faire des trucs au lieu de rentrer dans le tas. Mais bon, je suis tellement discret que... Voilà. Oula, excusez-moi. Appuyez sur le profil W. Oui, tout à fait. Ok, là-bas. Déverrouillé. C'est normal, il y a le truc ici pour ouvrir la porte, mais bon. Ok. Ah putain, à chaque fois, je veux me mettre en sneak et ça marche pas. Cool, plein de matos informatiques. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh. Oh non. Bon, je les laisse parler, mais c'est pas très intéressant. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Pop machine. Pop, 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 pop. C'est quoi ce truc? Est-ce que je peux brouiller les trucs? Clac! Oh, comment je l'ai calmé? Montez. Je suis discrétieux! Je suis discrétieux! Je brouille. Ok. Juste me planquer ici. Y'a qui là? Faire exploser, faudrait qu'il y en ait un dessus. Toi. Je te pirate. Code d'accès. Faudrait qu'il marche dessus quoi, je pourrais faire péter le truc. Marche dessus, marche dessus, marche dessus, marche dessus. Marche dessus. Oh! Ça c'est nickel. Il n'y en a pas d'autres là? Pas du people? Non. Ici, il y a lui. Je peux. Faire exploser. Oh! Guac. Avec la petite musique derrière d'ascenseur.
C'est pas encore fini. C'est... Apparemment, ah, y a un gars là-haut. Un gars là-haut. Je sais pas où il faut que j'aille là. Faut que je monte à l'étage. D'accord, piraté. Attends, je vais juste rentrer dans la caméra si je peux le faire péter lui. Non. Ah, fuck, je peux pas le faire péter. Oula. Toi par contre, je peux te faire péter. Vachement bas. Je vois que dalle. Je vais faire un tour ailleurs. Mais c'est pété ce gun. Je pense qu'ils vont le nerf dans... Enfin, je sais pas, faudrait qu'il nerf quoi. Attends, je peux pas le faire péter lui. Restez concentré. Oh, j'ai qu'à le suivre et pirater le truc en haut. J'ai qu'à rester sur lui. Voyons voir, est-ce que je peux ninjater. C'est pas sûr, ça se trouve. En tout cas, j'en ai déjà tué 3. Toujours malade, pour info. Restez sur vos gardes. Ok. Pirater, continue, avance, avance. T'inquiète, c'est normal. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut avec une GoPro sur lui. Là-bas, il y a une caméra tout en haut. Je vais attendre avant de m'agripper dessus. C'est bizarre parce qu'il y a, le pointeur qui fait du yo-yo, c'est étrange. Allez, je suis dedans. Donc du coup, il faut faire. Ouais, voilà. Classique. Pareil en face. Ah non, il faut d'abord déverrouiller celui du milieu. D'accord. Et celui-ci, je déverrouille comme ça. Et je mets les deux là. Non. Là-bas. Ok. C'était comme ça. Oh putain, vas-y, je regarde des casse-têtes. Enfin, j'aime les casse-têtes, mais ça dépend pourquoi en fait. Ok. Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub, j'ai un globe oculaire gigantesque là qui me bloque. Oh merde! Quelqu'un a piraté mon PC. Putain, verrouiller les issues, faut le retrouver. On peut pas abandonner. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde. Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Mais même pas besoin de monter à l'étage, malin. Gérer là ou pas? Les flics me recherchent. Je vais pas pouvoir m'échapper. Dead Sec aurait pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Oui, je crois que... on chope la bagnole. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite. Merde, j'ai foutu le truc. Brouilleur, scan... Ah, comment ça marche? Oh! Oh, easy! Allez! Scan CTOS et ta mère. Et ta mère, elle s'est faite scanner ou pas? Attendez, on a un problème avec le scan. Je peux l'utiliser dans la voiture, d'accord. Allez! Allez, comment je vous ai mis le couac? Oh! Merde! Oh, mais je leur mets tellement guac. Le guac de l'infini. Fuck le pont, les gens. YOLO.
Sinon, ça va. Et ouais. Ah, moi je suis une machine. Moi je suis beau gosse. Compétence obtenue. Putain, c'est cool ça. J'ai un point de compétence que je vais mettre nulle part. Absolument nulle part. Ah, peut-être ici. Ouais, je me le mets là. Quoi de neuf? T'as localisé l'appel? Marre de jouer. Boit. Ils peuvent attendre longtemps, le point, il va pas se rabaisser. Pas trop tôt. Sois prudent, Aiden. Oh, c'est de suite moins épique. C'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Oups. Pardon, monsieur, dame. J'ai des petits drops de FPS, j'espère que ça se verra pas. C'est étrange, ça me l'a jamais fait. Challenge City West. Ah, c'est bon. J'en ai un. Enfin, les serveurs, ils marchent. Temps d'attente. Ça marche. Vous savez, il faut qu'on trouve... Ah non, faut faire une course de voiture. Montre-moi ce que tu vois. Ah, c'est un truc différent. Alléluia. Bon, ça, j'ai une bonne bagnole, ça passe. Ah ouais, le gars, il essaye de me brouiller pour pas que je puisse atteindre le truc. Mais putain, mais j'ai des putains de drops de FPS. Mais j'ai des fucking drops de FPS, je sais pas pourquoi. Récupérer un max de trucs. Ah ouais, niveau temps, c'est juste. Hein. Bien reçu, une voiture de patrouille se dirige vers la position du suspect. Sérieux, il peut envoyer les flics. Attention, une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Bon, ça va, les flics, ils sont gentils dans le jeu. Enfin, ils sont moins casse-couilles que dans certains jeux. Quoi. Wow, c'est pété quoi. Regardez ça les gens, le clipping. Ça s'appelle du clipping. Sur Oblivion ça charge plus vite, c'est n'importe quoi. Wopopopop. Les enfants, on se calme. Je récupère de la thune. 200 de cash, ça me va. Et là normalement je crois que c'est un gars qui pirate et qui a fait apparaître ça. Faudrait que moi je le fasse, ça serait marrant. Ok, on me tire dessus. J'aurais dû prendre la route à côté. Merde. Je me suis bourré de route. Tire à volonté ? Ils sont sérieux ? J'ai foutu le bloc. Hop, récupère tout ça. Hop. Donc il me manque plus que quelques checkpoints. Hop. Je pense que... Oh le bâtard. Bien joué. Plus 15 secondes, c'est toujours ça. Bon là, il peut pas trop activer, faut que... Fasse gaffe au sol, qu'est-ce qu'il peut activer. Voilà, là faut pas chier. Faut pas se chier. YOLO. Et non. Just epic. Il a pas activé les bandes, c'est cool. Mais normalement. Putain mais les activer. Soit. Si ça se trouve il lag. Tant mieux pour moi. Bon ça va, j'ai encore 2 minutes pour atteindre la dernière borne. Je prends le bonus temps. Et merde. Je me suis trompé. Les flics qui sont loin. Et j'ai gagné pas mal de cash avec ça. Attendez.
Est-ce que je peux mettre... Voilà. Putain, mais... Va te faire! Va te faire, sale flic! Oups. Ah, ça compte pas, la répute. Mais ouvre le feu. J'ai gagné, de toute façon. En fait, je pouvais écraser les gens. Ah, fuck. Je suis mauvais, hein. Voilà. Putain, mais lol. Putain, mais ils sont chiants ces flics, hein. Oh lol, ma bagnole a pété ou quoi? Ah non, la leur elle a pété. Allez, bande de pélos. En fait, je les neutralise et je remets les feux, quoi. C'est un boulet. Et voilà. Allez. Tu dis quoi? Eh oui, mon pseudo c'est Permalol, pour ceux qui veulent savoir. Quoi de neuf? T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Aiden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Ok, c'est parti. Ben, on avance jusqu'au truc et on va s'arrêter là. C'est quoi ça comme truc médicaux? D'accord. Ouais, ben voilà, ça va nous laisser le temps pour arriver là-bas. Y'a pas une voiture mieux que ça. Mec, tu permets? Tu permets, donne ta caisse. Donne ta caisse. Excusez-moi. Voilà, tu me files ta putain de caisse. Voilà. C'est pas que la mienne était complètement explosée. Bon, ils arrêtent avec leur challenge à la con, là. J'en veux pas. Ça y est, les serveurs, ils sont up. Ils sentent plus. Du coup, maintenant que ça marche bien, faudra que je teste le multi. Mais non! Mais arrêtez! C'est quoi ça, Keko, là? Bim. Je suis mauvais. Olé. Je suis connecté aussi, tu vois, c'est cool. Mais la voiture, elle glisse. Regardez comment elle glisse, la voiture. C'est pas réaliste, je suis désolé, mais non. Très jolie, hein, au passage, cette voiture. J'adore. Les grosses cylindrées comme ça, du style Mustang et tout, j'adore. Et... Ouverture, bouillolo. Ok, je rentre dans un blindé, quoi. Allez, je... Ah oui, c'est ce que je vais me faire. Bon. Mort de rire. Oh. Et donc, on va se laisser là pour le prochain épisode, les gens. Donc, je vous fais de gros bisous. Plein de fois, je suis malade. Je vous fais plein de gros bisous. Et je sais que ça vous plaît. On me l'a dit en commentaire et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao tout le monde.